champion olympique. Il est champion olympique. Bah, je suis très heureux parce que voilà, c'était l'objectif de toute ma carrière. Donc, d'avoir gagné, c'est vraiment une grosse satisfaction. Et vraiment très très heureux d'avoir gagné cette médaille d'or. C'est vrai que la finale, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Donc déjà, d'en avoir fait beaucoup sur les compétitions internationales, c'est un exercice qui est familier, quoi. Et après, au quotidien, l'entraînement, je me suis entraîné à justement ne pas être déconcentré. Donc j'avais mon entraîneur qui faisait des bruits, qui venait me déconcentrer physiquement, etc. Et après, le long de la finale, j'ai essayé de faire le geste le plus globalement bon, on va dire. Et je savais qu'en faisant quelque chose de satisfaisant, j'allais être régulier et ça allait au bout. Donc la finale, j'étais plutôt serein, confiant. J'avais confiance en mon tir, j'avais confiance en mon potentiel, donc je savais que je pouvais gagner. Et voilà, tout le long de la finale, j'ai déroulé mon truc. Et après, mes adversaires, par contre, ont faibli. Et voilà, forcément, j'ai pris de l'avance et ça m'a détendu. Et après, j'ai poursuivi sur ma lancée jusqu'au titre. Ah Jean, magnifique, magnifique. On le voyait très concentré, bien dans son match et surtout bien dans ses chaussures parce qu'il était venu là-bas pour avoir la médaille d'or et il l'a eu. C'est vraiment une chose formidable quand on l'a vu finir, lever les bras de victoire et tout ça. Et en plus de ça, il nous a fait vibrer pendant toute sa finale parce qu'il a marqué des points sans arrêt, il a pris le pas sur ses adversaires. Et en plus de ça, quand après on voit les résultats et qu'on sait non seulement il a la médaille d'or, mais en plus de ça, il a égalé le record du monde olympique de 34 points, là c'est que du bonheur pour les élus. Pendant la finale, ça a été le bonheur que vous avez pu constater sur les écrans, de manière progressive pendant son tir, ça passait à chaque fois et puis c'était son objectif. Hein. Ça fait 5 ans qu'il se bat pour avoir la médaille d'or olympique, hein, c'était suite à Rio. Bon, c'était d'abord 4 ans et puis avec le Covid, ça reculait encore d'un an, donc c'était quand même assez compliqué. Néanmoins, bien content qu'il est arrivé et après c'était l'aboutissement, la joie extrême du résultat avec la Marseillaise, avec tout ce qu'il y avait autour. On avait avec nous dans les tribunes des officiels français, officiels de l'ANS, officiels du CNO qui étaient présents. Donc c'était un vrai bonheur partagé par tout le monde. J'avoue qu'à un moment donné, je me suis posé la question à savoir si mon cœur allait tenir le choc. Beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. On a essayé de ne pas avoir le cœur qui explose, donc on a un petit peu arrêté de respirer. Hein. D'ailleurs, on faisait un petit peu attention à ça. Mais bon, Jean est quelqu'un d'exceptionnel. Vous avez vu la maîtrise qu'il a à 25 ans, en fait, dans son tir. C'est assez exceptionnel. Par rapport à ça, nous, on est dans le respect et dans l'admiration, vraiment. Jean, c'est quelqu'un qui, effectivement, représente bien la Fédération française de tir par sa gentillesse, par sa disponibilité. Il a été disponible au cours des entretiens avec les télévisions, les radios, tout ça. Il a toujours été disponible. Et c'est quand même un exemple pour le tir sportif et la défense, effectivement, du tir par la fédération. Donc, je suis fier qu'il soit médaillé olympique et il faut que ça continue pour les autres également. Les Jeux olympiques, c'est tous les 4 ans et c'est un objectif pour les tireurs, mais aussi un objectif pour la fédération. Et moi-même, c'était le bonheur. La première médaille en tant que président, c'est le bonheur. J'avais confiance en ce que j'avais produit à l'entraînement, confiance en mon geste. Avec une médaille d'or, je crois que les gens vont s'intéresser et venir dans les clubs pour s'intéresser, faire une découverte et pourquoi pas prendre une licence. Donc je pense que c'est un effet très positif pour la fédération. C'est une reconnaissance de notre sport qui est quand même assez méconnu. Et donc c'était important qu'on ait cette médaille d'or et j'en suis fier pour la fédération. Et j'espère encore en avoir, puisque à la fin du mois, ça sera les Jeux paralympiques. Et là aussi, on a des chances d'avoir des médailles. Et j'espère en avoir effectivement.